essayons de démarrer à peu près à l'heure, sachant qu'il manque du monde. Je sais qu'il y a une commission des impôts directs de la communauté de communes dans une salle juste à côté qui n'est pas terminée. Écoutez, soyez les bienvenus en ce 18 juillet. C'est le dernier conseil municipal avant la trêve estivale. Nous avons choisi une belle journée, une journée très chaude. Alors, pour commencer, donc, pour les excuser, les personnes représentées. Alors, tout d'abord, je salue bien évidemment la presse qui est là malgré les fortes températures et puis l'ensemble des personnes qui nous suivent via les réseaux grâce à la société LR Événements qui est à l'arrière. Donc, les personnes qui sont excusées et qui sont représentées par donc, Jean-Marc Fouquet, qui sera représenté par moi-même, Michael Pacot, représenté par Claude Delafosse, Marion Pontoiseau, qui sera représenté par Marie-Noël Mandin, Françoise Girard, qui sera représenté par Thomas Merlet, et Isabelle Volo, qui sera représenté par Benoît Rodet, pardon. Voilà, il nous faut valider le procès-verbal de la réunion du 20 juin. Est-ce que vous avez des observations ou des remarques à formuler sur ce procès-verbal ? Non, eh bien, il nous faut l'adopter. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adopté à l'unanimité. Il me faut nommer un secrétaire de séance. Stéphane Hérault, ça te convient ? Bon, donc Stéphane Hérault, secrétaire de séance. Le préambule. Tout d'abord, permettez-moi de rendre hommage à notre ami Joseph Bretomeau, pour ceux qui l'ont bien connu. Il a été un membre actif au sein de ce conseil municipal. Il a été adjoint au maire en charge de la voirie de 77 à 2001 et puis également une partie environnement et agriculture et que son activité l'amenait à circuler sur nos routes chalandaises. Donc c'était quelqu'un qui connaissait très très bien Chaland. Joseph Bretomeau est décédé le 10 juillet 2022. C'est une figure locale. Beaucoup d'entre nous l'ont bien connu. Connu pour sa participation active aux foires à l'ancienne. Et souvenez-vous, avec sa vache, il rentrait y compris dans les magasins. Donc il a marqué bon nombre de commerçants. Il me semblait important de lui rendre hommage en ouverture de ce dernier conseil municipal, d'autant plus que son départ a été malheureusement occulté. Je le dis parce que je l'ai vécu un peu comme ça, occulté par la disparition du canard Léon. Je n'ai reçu aucun message SMS pour Joseph. J'ai reçu plein de messages pour le canard Léon. Donc tout le monde a bien vu cette disparition du canard. Mais j'ai vraiment une pensée pour Joseph Bretomeau, quelqu'un que j'appréciais tout particulièrement. L'absence du canard géant, dont je viens de citer, n'empêchera pas aux foires à l'ancienne d'accueillir ce jeudi prochain, donc jeudi de cette semaine. J'espère en tout cas un public nombreux. Les foires prendront place dans le centre-ville, donc elles vont retourner dans le centre-ville. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, elles retournent bien. On a toujours dit d'ailleurs que l'association choisirait le meilleur des lieux. On leur avait donné la possibilité également de le faire sur le site de la Terrière. Donc elles reviendront dans le centre-ville les jeudis 21 et 28 juillet et le 11 et le 18 août, sachant que pendant les foires, nous rappelons que l'accès au centre-ville sera restreint. Il n'y aura pas de circulation dans le centre-ville, sauf pour les personnes qui auront des laissez-passer. Je rappelle que le jeudi 28 juillet, l'inauguration se fera sous le parrainage de Nicolas Duvillier, qui est directeur du Grand Parc Le Puy du Fou. Donc, par contre, modification des horaires, nous débuterons à 9h30 et non à 10h comme les années précédentes
pour des raisons de timing, puisque Nicolas Devilliers doit nous quitter à 14h. Concernant les mercredis de l'été, ce sont les autres rendez-vous importants. Il y en a déjà eu deux. Donc les mercredis de l'été prennent place dans le paysage des manifestations locales. Les deux premières soirées ont été de belles réussites, surtout avec la combinaison d'une offre de spectacle avec une offre de restauration sur place qui associe les commerçants locaux, qui participent pleinement à la dynamique du centre-ville que nous souhaitions mettre en place. Globalement, les personnes que j'ai pu côtoyer sur le site de la Coursaudière sont plutôt satisfaits puisque l'espace mérite d'être découvert. Un certain nombre de personnes, y compris des voisins, m'ont fait savoir qu'ils découvraient ce site qui est un magnifique site. Donc, prochain rendez-vous mercredi de cette semaine, mercredi 20 juillet, toujours au parc de la Coursaudière. Les 8 mercredis de l'été se dérouleront au parc de la Coursaudière. Et donc, le 20 juillet, nous aurons le plaisir d'accueillir un concert de chansons françaises de Manu Denars, bien connu local. C'est aussi une figure locale. Donc, venez nombreux à cette soirée. Et vous savez qu'on peut terminer la soirée en prenant sandwich ou autre plat et échanger, poursuivre la soirée dans ce parc-là. C'est vraiment une très, très belle soirée qui se prépare. N'oubliez pas non plus le 24 juillet 2022, de 10h à 18h30, le prix cycliste à la Sablière Palvado, organisé par le Vélo Club Chalandais. Le 27 juillet 2022, la ville accueille la France en courant sur le parvis de l'hôtel de ville. Présence d'un village d'arrivée avec des artisans de Normandie, des artisans locaux, mais aussi une structure gonflable. Arrivée des coureurs prévue entre 16h30 et 17h30, donc événement qui passera par Chaland. Les tournois d'été du tennis et du badminton. Pour le tennis, ça a débuté samedi dernier. Les vendredis de Coudry, également important. Petit clin d'œil aux pompiers qui ont fait un travail remarquable là ces jours précédents. Et vous savez qu'il y a eu un début d'incendie à la Coudry. On a eu très très peur pour notre site de la Coudry. Les soirées découvertes de l'astronomie et la nuit des étoiles qui se déroulera le 6 août. Le salon de l'arme ancienne et de collection organisé le samedi 21 août par le comité des fêtes. Donc toujours la rentrée qui se prépare, ce sera une rentrée riche en événements. Donc, je vous prie de bien vouloir noter un certain nombre de dates. Entre autres, vous retrouverez le forum des associations et des services municipaux le 3 septembre 2022, de 10h à 18h au salle Louis-Claude Roux. Ce sera aussi l'occasion d'accueillir les nouveaux habitants que nous avons recensés, qui sont au nombre de 3100 sur les trois dernières années. Donc, c'est tout simplement important. Et les nouveaux habitants, ils sont recensés à partir des élections, des inscriptions sur les listes électorales. Donc après vérification, c'est un chiffre important. Alors ça, c'est pas l'accroissement de la population, puisqu'il y a eu évidemment des départs, mais ça représente un nombre important de personnes qui sont invitées pour cette manifestation. Du 9 au 13 septembre se déroulera également la foire des minets, avec pour thème le rock'n'roll, le thème choisi par le comité de la foire, qui nous promet une édition dynamique et festive avec des concerts, des cours de danse, mais aussi une exposition de voitures des années 60 et un spectacle de moto, sans oublier la fête foraine qui s'étendra derrière le cinéma. Vous avez dû voir un nouveau parking sur l'espace libéré par la motoculture chalandaise et puis l'habituel feu d'artifice qui clôturera cette édition 2022 de la foire, en espérant que la sécheresse soit derrière nous, puisque et que bon nombre de feux d'artifice ont été supprimés ces derniers jours. La foire des minets sera aussi l'occasion de retrouver nos amis italiens, et plus particulièrement le nouveau maire de Sarono, qui fera le déplacement ici, donc M. Eroldi, qui aura l'honneur d'inaugurer l'édition 2022 de la foire des minets. Toujours en septembre et au moment de l'inauguration du forum des associations et des services municipaux, nous lancerons notre nouvelle application mobile Chaland. Vous pourrez y trouver une dizaine de fonctionnalités, puis régulièrement de nouveaux services viendront enrichir cette offre. Simple et rapide, vous verrez, l'application sera également personnalisable, puisque l'on pourra
réorganiser l'écran d'accueil selon ses centres d'intérêt. Donc, on vous donne rendez-vous à partir de cette date sur Google Play ou sur Apple Store pour la télécharger. Je vous invite vraiment à le faire. Vous avez beaucoup d'informations concernant notre ville de Chalands. Une information également qui me semble importante, puisque je suis régulièrement interpellé dans un contexte de tension sur l'offre de soins, avec un départ de deux nouveaux médecins qui partiront. Alors, deux nouveaux médecins, c'est deux anciens médecins, dont un qui part à la retraite et une personne qui part. Ce sont des médecins que je connais particulièrement très bien. Malgré tout le travail qu'on a pu faire avec eux, ça a été très compliqué. Donc, le troisième médecin qui avait annoncé son départ restera sur Chalands. Donc là, aujourd'hui, je ne peux pas vous en donner plus d'informations, puisqu'il y a encore quelques informations qui sont de l'ordre de la confidentialité, mais je sais qu'il restera, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis régulièrement interpellé en tant que maire par des administrés inquiets de ne pas bénéficier dès aujourd'hui ou demain d'un accès aux soins. Donc je le vérifie tous les jours et je suis également concerné par le fait de ne pas avoir de médecin référent, donc je comprends tout à fait ces gens-là. Même si la commune bénéficie d'un ratio médecin généraliste par habitant satisfaisant, c'est ce que l'ARS nous dit, j'ai pu le revérifier aujourd'hui au département en tant que président et en charge de la démographie médicale au niveau de la Vendée. Nous sommes quelques... Alors je peux même prendre un exemple sur Saint-Gilles avec Couex, en l'occurrence. Ils ont un ratio avec 4 médecins qui ont quitté Couex. Ils ont un ratio qui est supérieur à la moyenne qui ne nous permet pas d'obtenir des aides. Ceci étant, nous travaillons quand même sur cette recherche de médecins et j'espère que, in fine, mais il faut vraiment du temps pour accompagner les médecins, travailler avec l'ARS. Des rencontres sont prévues cette semaine en Vendée avec l'ARS. Vous avez dû lire également dans... les journaux que le département met en place une formation pour les maîtres de stage, pour les médecins, pour qu'ils deviennent maîtres de stage. Donc 3 jours de formation en octobre, pris en charge par le département. Donc là, nous y travaillons et nous espérons que nous allons pouvoir travailler avec l'ensemble des médecins. Hein, on nous rappelait encore ce matin que 9% l'équivalent de 9% des maîtres de stage correspond aujourd'hui à l'installation de nouveaux médecins. Donc on peut espérer en tout cas que cette nouvelle mesure qui viendra enrichir l'offre de maîtres de stage permettra à des internes de venir réaliser leur stage ici à Chalands. Donc cela passe à la fois pour accompagner par la création d'une maison de santé pluridisciplinaire. Donc nous travaillons sur la création d'une maison de santé pluridisciplinaire, mais également en facilitant la venue d'internes en médecine de ville sur la commune. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le conseil départemental de la Vendée donc, va mettre en place une formation maître de stage, mais également accompagne cette démarche en sécurisant l'offre d'hébergement par les stages d'internat. Et donc, Chalands sera candidat pour accueillir 3 internes à partir de début novembre. Cette installation va se faire dans la maison qui dépend aujourd'hui de l'EPF, maison qu'on a préemptée, donc au 6 rue des Barrières, qui va être réaménagée pour accueillir 3 internes. Donc pour l'instant, on n'est pas sur des médecins remplaçants, mais pour accueillir 3 internes. J'ai eu encore tout à l'heure Nicolas Chénéchaud du conseil départemental pour que puisse figurer dans un catalogue de propositions d'accueil de stage sur la ville de Chalands, en espérant qu'on saura convaincre ces internes de venir s'installer ensuite sur Chalands pour sécuriser l'offre médicale, l'offre de médecine de ville. J'ai également une pensée pour les centres hospitaliers, tous les centres hospitaliers. Hein. La semaine dernière, j'ai eu à nouveau une réunion avec les présidents, directeurs, président de conseil de surveillance des centres hospitaliers de Vendée avec les directeurs des centres hospitaliers de Vendée et ces mêmes centres avec les présidents de CME. Nous sommes inquiets aujourd'hui avec l'afflux du tourisme, les retours de plage aujourd'hui
engorge nos urgences, donc nous sommes inquiets. Un certain nombre de personnes qui, on écoute cela, ils viennent aux urgences, donc on dit bien attention, ne venons pas, il faut être très mesuré pour l'utilisation de nos services d'urgence que l'on maintient aujourd'hui, hein, qui sont toujours ouverts, mais on a toujours cette crainte de passer à côté d'une urgence vitale. Nous avons eu jusqu'à plus de 100 personnes vendredi après-midi, donc nous avons à nouveau pris une décision avec les directions de mettre en place une régulation dans nos centres hospitaliers. Donc là, c'est vraiment un appel au civisme que je fais. On l'a fait sur notre site internet la semaine dernière, mais il faut le rappeler. On va aux urgences que s'il y a réellement une urgence pour que nous soyons en mesure de répondre à l'ensemble des urgences et de ne pas passer à côté d'une urgence vitale. Concernant les comptes rendus et procès-verbaux de séance du conseil municipal, des nouvelles règles sont applicables depuis le 1er juillet 2022. Je le rappelle, mais on en a parlé au dernier conseil. L'ordonnance numéro 2021-1310 du 7 octobre 2021 et le décret 2021-1311 du même jour ont modifié le code général des collectivités territoriales. Ces modifications sont entrées en vigueur au 1er juillet 2022. Donc au 18, bien évidemment, cette règle-là s'applique. En ce qui concerne plus particulièrement le fonctionnement du conseil municipal, de nouvelles règles donc s'appliquent aux comptes rendus et procès-verbaux de séance. Ces dernières ont été brièvement évoquées lors du dernier conseil municipal. Désormais, le compte rendu de séance est supprimé afin d'assurer une information simple et rapide des citoyens. Doit être affiché donc en mairie dans la semaine qui suit la réunion du conseil municipal, non plus un compte rendu de séance, mais la liste des délibérations examinées par le conseil. Cette liste doit également être publiée sur le site internet de la ville. Le procès-verbal de séance a pour objet d'établir et de conserver la mémoire du déroulement de la séance, discussion, débat, interruption de séance, etc., et des décisions adoptées. Le procès-verbal de séance est approuvé au commencement de la séance suivante et publié dans la semaine qui suit son approbation. Donc là, vous avez l'habitude d'approuver les PV des conseils municipaux précédents. Là, pas de changement, mais ces PV devront être ensuite affichés. Avant le 1er juillet 2022, il devait être signé par tous les membres présents à la séance. Cette règle change puisque désormais le procès-verbal de séance ne reçoit les signatures que du maire, président de séance et du maire et du secrétaire désigné pour cette séance. Aussi, il va circuler au cours de cette séance et pour la dernière fois la feuille de signature du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2022. Je n'ai pas tout à fait terminé, mais habituellement on termine par les remerciements, mais là je souhaite remercier publiquement Étienne Vendée, que vous connaissez, puisqu'Étienne, pour rappel, va faire son dernier conseil municipal ce soir, comme il a pu faire les dernières élections l'autre jour, puisque je sais que là où il ira, il n'assurera plus cette organisation. Donc je profite de ce rappel sur le cadrage réglementaire de nos séances du Conseil pour remercier celui qui est sur ce sujet et bien d'autres, notre expert juridique depuis le 1er juillet 2013 en tant que directeur général en charge des affaires juridiques et générales à la ville de Challans. Et je tiens à souligner son professionnalisme, sa disponibilité, l'écoute aussi des élus, des services, puisque nous sommes régulièrement attaqués, vous le savez, mais ça fait partie, j'oserais dire, des règles du jeu, même si c'est parfois désagréable, mais ça fait partie des règles du jeu. Avec Étienne, nous avons pu travailler au quotidien en toute sécurité, puisque nous n'avons pas perdu, en tout cas, d'action au tribunal administratif. En tout cas, depuis que je suis là, je ne me souviens pas avoir perdu des actions. Donc merci Étienne pour votre professionnalisme et puis votre écoute, parce que on discute parfois le bout de gras pour dire voilà, ça on veut que ça soit comme ça, avec une analyse toujours très fine. Donc merci vraiment. C'est un Vendéen
mes chalandais que nous allons que nous ce soir que nous remercions. Je sais que votre famille va regretter ce départ, mais ceci étant, Étienne part pour tout simplement exercer les missions de chef du service juridique et de documentation au département du conseil départemental du Maine-et-Loire, donc un poste où il aura l'occasion de mettre à nouveau ses compétences au service d'une collectivité. Pour rappel, Étienne Vendée encadrait chez nous le service à la population, la police municipale, l'agent en charge du marché et des forains, puisqu'on a eu encore une réunion la semaine dernière avec, avec les forains, donc, avec l'agent en charge donc, des fêtes foraines, et puis également encadre le manager, notre nouveau manager de centre-ville. Deux autres points après ces remerciements. Hier soir, le préfet a placé le département, avant-hier soir, c'était en vigilance orange. Donc depuis hier soir, le préfet de la Vendée a placé le département de la Vendée en vigilance de niveau rouge pour la canicule. Les personnes plus expérimentées que moi me disaient qu'elles n'avaient pas connu. Donc c'est une journée un peu particulière. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à la prudence. Et vous avez vu qu'on a fermé les déchetteries cet après-midi. On veut limiter l'ensemble des risques. En conséquence de cette vigilance de niveau rouge, le plan communal de sauvegarde a été activé. Plus particulièrement, le CCAS a pris contact dès ce matin avec la centaine de Chalandaises et Chalandais inscrits sur le registre des personnes vulnérables, organisant des visites à domicile si nécessaire. Cet épisode de forte chaleur a eu également pour conséquence l'annulation et le report à une date ultérieure de la tournée d'été Terre de Sport. Et puis également la compagnie Grain de Sable qui devait se produire ce soir à partir de 21h sur le parvis de la mairie, qui proposait un spectacle gratuit en plein air, a décidé de reporter ce même spectacle lundi prochain, 25 juillet. Donc je vous invite à venir nombreux à cette manifestation, parce qu'on sait que c'est toujours une manifestation de qualité. Et puis enfin, je terminerai par vous dire que la semaine dernière, je ne vais pas dire que c'est habituel, mais de façon régulière, nous recevons parfois des lettres anonymes, des gens qui n'ont pas forcément le courage de signer. Mais nous avons reçu une lettre anonyme concernant les noms de rues qui ne sont pas suffisamment féminisées. Alors je souhaite saluer ces personnes qui ont pris le nom Action Féminine. Alors, je pense que la presse, vous avez reçu ces courriers en même temps que nous, probablement pour que vous en fassiez écho. Je ne veux pas polémiquer sur les noms de rue. Vous savez que depuis quelque temps, je demande à ce qu'on féminise les noms des rues. Par contre, je regrette qu'on aille afficher sur les panneaux signalant, donnant le nom des rues, d'autres noms, puisqu'il faut rappeler que nos services sapeurs-pompiers, en l'occurrence, lorsqu'ils sont appelés, ils doivent pouvoir vérifier s'ils sont bien au bon endroit. Donc je pense que c'est un problème de sécurité. J'ai bien entendu la remarque. Nous allons d'ailleurs, ce soir, vous aurez des noms de femmes. Et vous savez que la dernière fois, j'ai demandé à reporter une délibération qui proposait plusieurs noms. Nom d'hommes. Alors on continuera aussi à donner quelques noms de rues à des hommes, mais je souhaite également que nous puissions assumer nos responsabilités par rapport à l'ensemble des femmes qui sont tout aussi brillantes que les hommes et qui méritent qu'on puisse les honorer en baptisant un nom de rue, un nom de place au nom de telle ou telle personne. Et c'est tout à l'heure Rosine Durand-Flair qui nous présentera cette délibération. Voilà pour le préambule. Je m'arrête là sur le préambule. Et si vous le voulez bien, on va démarrer l'ordre du jour. Je n'ai pas signalé tout à l'heure l'absence de Karine Giard qui a demandé à ce qu'on l'excuse, mais
Elle n'a pas donné de pouvoir, je regarde à M. Raffneau, non. Donc, pour des raisons de santé, elle ne pouvait pas être parmi nous ce soir. La première délibération, vous en avez l'habitude, au point 1.1, ce sont les décisions prises entre deux conseils municipaux. La première, en matière de concession, les décisions en matière de concession funéraire. La deuxième, en matière de révision du louage, nous avons effectué un prêt à titre gracieux de 3 minibus, et je vous l'avais dit l'autre jour dans le cadre du préambule. Et puis, une décision, en matière d'emprunt. Et puis, enfin, une délibération concernant les marchés publics entre le 2 juin et le 4 juillet. Avez-vous des questions sur ces décisions? Sinon, c'était pour information. Donc, la délibération 2.1, eh bien, nous y voilà. Donc, j'espère que les personnes de l'Action féminine nous regardent via les réseaux et pourront toujours... voilà. Et puis, je serais vraiment content, plutôt qu'on s'exprime sans signer les courriers. Je pense qu'on a le droit de ne pas être d'accord, mais au moins qu'on ait le courage de signer les remarques que l'on peut faire à l'attention du maire et des conseillers municipaux, puisqu'ils vous étaient également adressés. Donc la délibération 2.1, ça concerne la dénomination des voies, et c'est Roselyne qui vous la présente. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme précédemment, des lotissements ou des découpages parcellaires sont en cours de réalisation dans divers secteurs de la commune, entraînant la création de nouvelles voies qu'il convient de dénommer. Pour les lotissements, il est proposé de retenir un thème par quartier ou le thème existant du quartier comme par le passé, mais en les féminisant, puisque apparemment c'est le souhait de beaucoup ici et dans la commune. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être en deux temps, puisqu'on va avoir une seconde partie que je vais vous expliquer après. Donc pour les nouvelles voies, vous allez peut-être avoir un diaporama sur le... C'est affiché, oui, mais pas les situations, bref, c'est pas grave. Zone commerciale des Alizés, nous allons avoir la rue Florence Artaud. Ah, c'est quand même un peu dommage de ne pas avoir le plan qui va avec. Enfin, vous les avez sur vos... On l'a dans les délibérations. Hein. Vous les avez dans les délibérations. Hein. Bon. Je poursuis. Rue Pauline de Lézardière, il y a un projet également. Voilà, très bien. Donc là, nous allons baptiser la rue traversante, la rue Arletty. L'impasse Martine Carole sur la partie nord et Delphine Sérigue sur la partie sud. Donc là, sur le premier thème, les Alizés, on avait une navigatrice. Là, on est sur des actrices et chanteuses. Ensuite, nous allons passer au hameau des Pins, secteur de la Poctière. Donc, nous allons... Alors, tout ça, c'est sur des propositions de la commission qui s'est réunie le 15 juin dernier. Donc, nous avons la rue Rosa Park qui dessert de la rue du Chambourg et qui va se prolonger sur... une seconde partie plus au nord, donc la rue Rosa Park. Nous avons aussi la rue Louise Michel, la rue Pauline Léon. Et ensuite, sur la deuxième partie plus au nord, nous allons avoir le prolongement de la rue Rosa Park, la rue Georges Sand, la rue Marguerite Yourcenar, le prolongement de la rue du Nant, qui existe déjà, ainsi que l'impasse Jeanne Loiseau.
Ensuite, le clos de la Bloire. C'est une petite impasse et nous vous proposons Marie Marvigne. Ensuite, chemin de la Solitude, un petit aménagement de quelques lots. Donc, on vous propose l'impasse Colette Duval. Et ensuite, donc là, on est dans le secteur des impressionnistes, l'impasse Marie Cazat. Voilà. Donc, on tenait également à remercier la collaboration du conseil consultatif qui nous fait des propositions régulièrement, et notamment sur la nomination des écarts, donc villages et hameaux. Et donc il y en a un certain nombre, il y en a 77. Est-ce que vous souhaitez que je vous liste les 77? Alors, sur ces 77, il y en a quand même, il y en a quand même 25. Alors, il y en a 50 précisément. Il y en a 52 où, lorsque on dessert une maison ou un petit lieu-dit, on reprend ou le chemin de ou l'impasse de. Donc là, il n'y a pas de surprise. Pour d'autres, quand ça concerne deux ou trois petits hameaux, là, on est obligé de trouver un nom qui évidemment, ne peut pas être, la contraction des trois ou des deux. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez que je vous détaille ceux-là non plus ? Oui ? Bon. Voilà. Ce que je peux vous informer, par contre, c'est que chaque habitation sera destinataire d'un courrier l'informant des nouvelles dénominations. Voilà. Bah, écoutez, si vous avez des questions là-dessus. Oui, l'ensemble des noms ont été proposés par la commission aménagement du territoire urbain, urbanisme et habitat, qui s'est réunie le 15 juin 2022. Hein, la proposition des noms, je veux dire par là, ne fait pas suite au courrier anonyme. Avez-vous des questions, des remarques? Non. Bah, écoutez, je vous propose d'adopter l'ensemble de ces noms. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est à la page 98, c'est la délibération 3.1. Et ça concerne la construction et la maintenance du patrimoine bâti. C'est la construction d'un complexe multisport et c'est Sébastien, aidé peut-être des services, qui va vous en faire la présentation. Bonsoir tout le monde. Donc, pour mémoire, donc, on s'était déjà vu deux fois pour parler de ce projet. Donc, le 7 février 2002, nous avions établi le programme de l'opération et le montant prévisionnel autour de 3 937 500 hors taxes. Nous avions fixé les modalités du concours restreint et puis nous avions désigné les membres de la commission. Le 4 mars, nous avions adopté l'autorisation de programme. Donc, depuis, 64 candidatures ont été reçues en mairie suite à l'avis de ce concours. Et le 23 février, nous nous étions réunis pour retenir trois groupements. Donc, avait été retenu Essentiel de Chaland, LT Archi de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et puis l'atelier Ronan-Prinot de Nantes. Nous nous sommes revus avec le jury le 16 juin dernier pour évaluer donc les projets au regard de trois critères. Le premier, la qualité intérieure et extérieure architecturale. Le deuxième, la qualité de la réponse du projet. Et le troisième critère, le respect de l'enveloppe prévisionnelle. Donc nous sommes passés au vote, et anonyme, bien sûr. L'équipe retenue en premier est LT Archi, la deuxième Essentiel et le troisième l'atelier Ronan Prinot. Donc, suite à ce vote, l'équipe LT Archi a été déclarée lauréate par un arrêté du 23 juin dernier, puis invitée à négocier. Nous sommes revus en réunion de négociation le 7 juillet.
Donc ici, il vous est proposé d'attribuer le marché pour assurer la maîtrise d'œuvre de l'opération de la construction de ce complexe multisport dans le secteur du bois fossé au groupement donc représenté par LT Archi. L'économie du projet s'établirait comme suit, donc un coût prévisionnel des travaux de 3 040 000 hors taxes, une rémunération de la maîtrise d'œuvre pour l'ensemble de la mission de base à 257 101,66 hors taxes, soit 8,46 du coût prévisionnel des travaux. Le forfait définitif sera arrêté après la validation de l'avant-projet définitif. Et monsieur le maire propose donc au conseil d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre à l'équipe de LT Archi. Alors avant, je ne sais pas si Rémi, tu veux que... Si ça a été présenté en même temps, le projet. Ça n'a pas été présenté, mais ça, ça serait bien de présenter. C'est Laurent qui nous fait la présentation, oui. Puisque vous êtes peut-être quelques-uns à ne pas avoir vu le projet. Donc je redis, là, je rappelle que le jury est composé donc, d'architectes et d'élus, et que le projet qui a été retenu à l'unanimité. Il n'y a pas eu, de voix pour d'autres projets. C'est le projet qui a été retenu à l'unanimité. Mais d'une façon générale, les trois projets qui ont été présentés étaient quand même des trois très, très beaux projets et des projets de qualité. Je vais laisser... Monsieur Fortin, nous faire la présentation du projet retenu. Bonsoir. Donc le projet retenu présenté par l'équipe LT Archi que l'on avait désigné dans le code de l'anonymat le projet B, et donc celui-ci. Donc c'est un projet, je reviens rapidement sur le foncier, même si vous le connaissez, le lycée Notre-Dame se situe ici. Nous nous trouvons donc au niveau du parc Schweitzer dans la rue Owen-Chamberlain. Donc le projet tel qu'il nous a été présenté, la rue Lippmann, exact. Le projet donc s'implante sur les deux parcelles dont la commune a fait l'acquisition il y a de ça maintenant quelques temps, les parcelles CM 46, 36 et 41. Le projet est implanté véritablement très au nord de ces parcelles-là, telles que souhaitées par le programme et détaillées, indiquées en tant que telles dans le programme de l'opération. Alors pourquoi cette implantation très au nord? Tout simplement pour profiter au maximum des infrastructures existantes, notamment donc la rue Gabriel-Lippmann, faire en sorte que son raccordement, le raccordement entre le nouvel établissement et la rue soit le plus simple et le plus réduit en termes de surface à aménager possible. Et puis également, profiter de la proximité du parking qui aujourd'hui est non aménagé en termes de revêtement, mais qui existe et qui a déjà le mérite d'exister. Alors, on le voit sur ce plan masse. On a un plan masse avec une grande salle qui est orientée parfaitement dans le sens nord-sud. Une articulation qui s'effectue entre la grande salle et les petites salles spécialisées, salles de danse et salles de muscu, avec donc le hall d'accueil qui se veut être traversant. On va le regarder un petit peu plus en détail sur les prochaines diapos. Alors, cette implantation très au nord est véritablement favorable en termes de consommation de foncier, puisqu'on le voit assez nettement par rapport à l'assiette foncière disponible. C'est quelque chose qui est assez optimisé. Je vais directement au plan intérieur de la salle. Donc vous reconnaîtrez le plateau sportif principal, la grande salle, les tribunes donc, qui se situent ici, la structure artificielle d'escalade qui se situe ici, tous les locaux, donc vestiaires arbitres, locaux rangement, sont concentrés donc, dans ce volume-ci. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, ce hall d'entrée qui est traversant, qui véritablement assure l'articulation et la distribution à la fois des fonctions qui sont situées dans la grande salle ainsi que les deux salles spécialisées. Donc présentement dans le projet, la salle de danse se situe ici, la salle de musculation se situe ici. Parmi les points de négociation engagés, il est fort probable qu'on aboutira à une inversion pour des questions de fonctionnalité et de commodité. Petit plus proposé par l'équipe,
qui met véritablement en valeur ce hall traversant, c'est la création d'une terrasse en extérieur à ce niveau-ci et qui permet du coup de profiter pleinement de tout l'environnement paysager existant et qui sera donc très peu touché, très peu remodelé à l'occasion du projet. Je passe rapidement sur les façades et coupes pour arriver sur ce qui va être sans doute le plus parlant, les vues perspectives. Donc, vue perspective en arrivant depuis la rue Gabriel-Lippmann. Vous retrouvez donc le volume principal de la grande salle. Vous retrouvez le volume secondaire des salles spécialisées. Et donc, l'entrée à ce nouvel établissement situé donc au milieu avec l'articulation dont je vous ai déjà parlé. Un petit détail sur cette entrée. On retrouve donc toujours les deux volumes. Un parvis qui est traité assez sobrement, mais qui a l'intérêt de combiner à la fois les fonctions de rétention d'eau pluviale par des petites noues, ou en tout cas des espaces incurvés. Un parvis qui est véritablement sécurisé, dans le sens où il n'y a pas de croisement de flux, pas de stationnement parasite possible de par l'aménagement proposé. Une vue perspective sur la grande salle, avec donc les tribunes, une partie vitrée donc, qui donne véritablement une vue dégagée, une vue perspective sur l'environnement paysager existant. Une belle particularité, quelque chose qui a été apprécié, qui est assez inhabituel dans ce type d'équipement, c'est le fait que la circulation qui permet d'accéder aux différents vestiaires, les différentes portes que vous voyez ici, se trouve finalement dans le volume de la salle. Alors c'est quelque chose qui a été apprécié dans le sens où ça évite d'avoir les fameux grands couloirs, j'allais dire quasi habituels, que l'on retrouve sur pas mal d'équipements sportifs. Là, on est bien dans le même volume, avec quelque chose du coup de très ouvert, de très aérien. La vue perspective sur le hall, donc l'entrée principale se situe de ce côté, la terrasse se situe de ce côté-ci, côté environnement paysager. On retrouve donc la grande salle et comme je vous l'indiquais juste auparavant, la circulation complètement ouverte sur le volume avec la distribution des différents vestiaires et autres locaux. Et enfin, une vue perspective sur les salles spécialisées avec la salle de danse et la salle de musculation telle que prévue présentement. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez revoir certains points ou si vous souhaitez que l'on grossisse certaines vues perspectives ou certains détails. Merci. Alors, avez-vous des questions, des remarques sur le projet ? Est-ce qu'il vous plaît ? Il a fait l'unanimité, enfin les architectes ont été plutôt séduits par cette proposition, très, très aérée. Pas de questions, pas de remarques. Bien écoutez, donc je vous propose de voter. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté à l'unanimité. Merci. La délibération suivante, c'est une délibération sur les finances concernant la décision modificative de crédit numéro 3 et c'est Claude Delafosse qui nous la présente. Donc, bonsoir à tous. Donc, la délibération donc, propose donc, de mettre à jour des crédits donc, sur deux projets d'investissement. Donc, il y en a un que vous avez donc, effectivement, c'est l'acquisition de bandes touches pour l'homologation du terrain de rugby. Donc, il y en a pour 5 800 euros, mais il y avait déjà des crédits disponibles sur cette opération. Et donc, on a un ajout à faire de 2 564 euros. Et puis, il y a l'opération 99-10 pour l'ouverture de trappe et d'une porte sur l'orgue de l'église, donc pour un montant de 2 472 euros. Et par ailleurs, effectivement, plus 1 000 euros, sera ôté en section de fonctionnement. Et par ailleurs, on propose d'ouvrir en section d'investissement, donc sur la même opération, puisque ça concerne les bâtiments,
Donc 15 500 euros pour la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, 80 000 pour l'acquisition des équipements et 40 000 de subventions qui sont positionnées en recette pour la réhabilitation de l'ex-école Victor Hugo et donc la réalisation d'une étude relative au projet d'incubateur et également l'équipement donc pour la création d'une microfolie. Voilà, donc effectivement, tout ça est équilibré par un prélèvement de 55 000 euros sur des opérations qui concernaient les budgets annexes, qui étaient mis sur le budget général, pas, puisque en fait les budgets annexes étaient plutôt mis en veille, mais là ils vont ressortir de nouveau, puisque effectivement le lotissement du Genêt et de la Brouard donc sont on va dire sortent de leur sommeil. Et puis donc une subvention donc de 40 000 euros donc qui est liée à la microfolie, et puis quelques mouvements de crédit sur le fonctionnement pour aller équilibrer finalement les crédits dont on a besoin en investissement. Voilà la décision modificative telle qu'on peut la présenter et soumettre au vote. Merci Claude. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, Monsieur Merlet. Oui, bonsoir à tous. J'avais juste une question concernant les 80 000 euros pour l'acquisition des équipements. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces 80 000? Parce que la microfolie, c'était 65 000 de mémoire. En équipement, je parle. Et je ne crois pas que les 15 500, enfin, sauf si on a mal compris, hein, je ne crois pas que les 15 500 pour la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage rentrent dans les 80 000. Donc, c'est simplement pour savoir ce qu'il y avait derrière les 80 000, en sachant qu'il y a les 40 000 euros de subvention qui participeront à la microfolie, plus l'investissement qui était prévu pour la microfolie, mais je ne crois pas qu'on arrive à 80 000. Donc voilà, c'est tout. C'est sûr qu'il n'y a pas les 15 500, puisqu'ils sont sur la ligne dessus. Quelqu'un a la réponse? Là, moi, je ne l'ai pas précisément, oui. D'accord. C'est une enveloppe estimée pour pouvoir bénéficier du montant maximum des subventions. C'est ça? Voilà. C'est le plan de, okay, qui nous permet, de, grâce à cette délibre, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement au maximum. Merci en tout cas pour la question. Avez-vous d'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'abstention, donc 7. Merci. Alors, la subvention suivante, page 102, c'est une délibération 4.2, c'est une demande de subvention faite par l'association Adopte un chat. Et c'est Marie-Laure Giraudet qui nous la présente. Oui, donc lors de notre dernière réunion, la commission environnement agriculture souhaiterait attribuer, si vous le voulez bien, une subvention de 1 000 euros à l'association Adopte un chat. Donc cette association intervient en complément de l'Arche de Noé pour la capture, l'identification et la stérilisation des chats sur notre territoire. Elle aide également les ménages les plus défavorisés pour le soin des animaux. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Là, je remercie la presse, parce que je sais que vous avez fait écho de cette structure associative qui préconise la stérilisation. Ça évite que des chats ensuite soient abandonnés. Hein, et l'exemple qui avait été donné était un très très bon exemple. Questions ou des remarques? Non? Eh bien, écoutez, je vous demande d'adopter cette délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, adopté à l'unanimité. Et c'est Marie-Laure qui poursuit avec une autre attribution, mais concernant cette fois-ci une subvention d'investissement à l'association L'Arche de Noé. Oui, donc, effectivement. Donc, je vais rappeler l'article L211-24 du Code rural, qui nous dit que chaque commune doit disposer d'une fourrière apte à accueillir et à garder dans des conditions permettant de veiller au bien-être et à la santé des chiens et des chats trouvés sur leur territoire, enfin qui sont en état de divagation.
Et donc, ce service peut être confié à une association. Donc, nous, depuis longue date, nous confions cette compétence à l'Arche de Noé, au refuge de l'Arche. Et cette compétence n'est pas seulement technique, c'est-à-dire les soins, l'alimentation, mais elle est également administrative et financière. Et depuis le 25 février 2022, l'Arche de Noé a acquis une nouvelle propriété pas très loin, donc sur la commune à l'entrée de Saint-Gervais, mais sur Saint-Urbain, pour quitter dès ce mois de juillet ces locaux qui sont peu fonctionnels et très vétustes, on peut dire, et qu'elle occupait donc depuis 1997. Et afin de l'accompagner et de soutenir l'Arche dans ce beau projet, le conseil municipal a prévu dans son budget primitif une subvention d'investissement de 200 000 euros, diminuée du coût des travaux de démolition et de remise en état du site que la ville aurait donc à supporter. Donc l'Arche de Noé, nous ayant sollicité pour bénéficier de cette subvention, il vous est proposé d'attribuer à l'association la mise en œuvre de l'opération de transfert des locaux de sa fourrière refuge de Chalon à Saint-Urbain, une subvention d'investissement d'un montant de 200 000 euros diminué du coût, toute taxe comprise que la commune aura à supporter au titre des travaux de démolition des bâtiments que l'association est réputée occuper jusqu'au 31 juillet 2022 à Chalon, chemin des Genêts et de la remise en état du site. Approuver les termes de la convention présentée en annexe relative à l'attribution de cette subvention d'investissement et autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Voilà. Merci Marie-Laure. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, Thomas. Oui, juste une question. Parce que là, on va leur attribuer une avance de 100 000 euros. Donc, il restera 100 000. Oui, diminué du coût, donc. Diminué du coût. Mais si... alors, je ne sais pas si vous avez peut-être fait des devis ou peut-être pas encore. Si le montant des travaux sur le site est au-delà de 100 000, comment ça... Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Non, non, on les a estimés à peu près entre 30 et 40 000. Donc, on sait qu'en proposant 100 000, on était loin... Loin de ce risque-là, en effet, on s'est posé la question, mais là, on est certain. En fait, il reste pas grand-chose à démolir. D'accord. Ils ont, je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais ils ont pratiquement tout pris. Ils ont récupéré un certain nombre de choses qu'on leur avait évidemment autorisées et encouragées, et on a accompagné. Donc, je remercie à nouveau Marie-Laure parce qu'on a visité beaucoup de sites pour trouver un site qui puisse convenir. À l'association et puis être vraiment dans une démarche du bien-être animal. D'autres questions ? Non, non, merci. Bien, écoutez, en tout cas, on est très content de trouver un aboutissement heureux pour l'association l'Arche de Noé. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, écoutez, adopté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est la délibération page 111, 4.4. C'est encore une demande de subvention pour la construction de deux terrains de padel tennis et un terrain de beach tennis. C'est Sébastien Lelanic qui nous présente cette délibération. Donc, j'étais déjà venu vers vous concernant ce projet. Et le cahier des charges a bien évolué, ainsi que l'enveloppe financière prévisionnelle qui était dédiée. Donc notre projet ne sera pas finalisé en 2022, mais on va être obligé de le faire courir sur deux exercices budgétaires, 2022-2023. Donc il s'agit de créer les deux terrains de padel et puis de déplacer le terrain de beach tennis, pour ceux qui connaissent bien le site rue Newton. Donc... les frais de fonctionnement pour la collectivité seront l'éclairage et le nettoyage annuel des vitres à raison de 2 à 3 fois dans l'année pour les vitres. Et l'apport de sable, puisque c'est une structure qui nécessite d'avoir un peu de sable sur le revêtement et l'entretien courant restant à la charge du TCC, du Tennis Club de Chalandais. Donc pour faire ce projet, nous sollicitons l'Agence nationale du sport. Et donc vous avez en dessous sur le tableau... Donc, le total, le financement
avec 50% qui seraient pris en compte par l'ANS, 23,47% par le Tennis Club Chalandais, et en autofinancement, donc 67 798,40, soit 26,53 pour la ville, si vous nous autorisez à demander cette subvention. Voilà pourquoi elle repasse. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, Thomas? Oui, la subvention est de la moitié. Je ne sais pas si vous avez un recul sur d'autres dossiers avec l'ANS par d'autres communes, mais on a un espoir d'avoir les 50% quand même, parce que souvent, bon, il y a un plafond, mais on n'a pas forcément les 50%. Et puis, d'où ma deuxième question, est-ce que, en fonction de la subvention qui sera attribuée, si on n'a pas les 50, par exemple, si on n'en a que 20%, est-ce que le projet sera fait quand même? Alors, le recul que l'on peut avoir tout récemment, c'est, je ne sais pas si tu vois le basket 3-3. On a été subventionné, bien subventionné par l'ANS, il n'y a pas eu de problème. On est dans le cadre des 5000 projets, les équipements. Donc là, je ne vois pas pourquoi Arnaud Soulet, le responsable des sports, est en contact avec l'ANS. C'est vrai qu'on pourrait être recalé, il y a quand même peu de chance. Mais il peut y avoir cette mauvaise nouvelle. Alors à hauteur de 50, non, ça pourrait être moindre. Après, j'espère que nous aurons sur les deux exercices budgétaires les reins pour le réaliser. C'est vrai qu'évidemment, il y aura un coût supplémentaire pour la collectivité. Mais je reste optimiste. Mais juste pour compléter ce que tu dis, l'ANS, ou du moins via le gouvernement et le président, avait une volonté de 5000 terrains sur des équipements plutôt légers, souples d'extérieur. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a presque plus de chances sur des équipements comme ça que sur des gros équipements structurants, quoi. Oui. Et puis on est sur un projet qui est encore peu existant sur le département. Là, les précurseurs ont été Saint-Jean-de-Monts. Et c'est vrai que pour ceux qui ont lu attentivement l'Ouest France de lundi, il y avait le magazine donc faisait état de cette nouvelle pratique qui est née en Espagne. Et peut-être qu'on se dit qu'on va avoir plus de chances sur la Vendée et Chaland d'avoir ces subventions, vu que ce sport n'existe pas encore beaucoup. Voilà, il vaut mieux être parmi les premiers. Et a priori, là, on n'est pas inquiet. Alors, on peut toujours se tromper tout pendant qu'on n'a pas... l'avis favorable, mais si nous n'avions pas cet avis favorable, on reviendrait en commission pour voir comment quel choix nous ferions. Mais en tout cas, ça répond à une réelle attente des gens qui pratiquent ces sports. Je pense aux adhérents du tennis club, par exemple, ils sont très très demandeurs de ces deux structures. Donc, il faut compléter. D'autres questions, d'autres remarques? Écoutez, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, adopté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est une délibération qui concerne le personnel communal et ça concerne la modification du tableau des effectifs. Vous en avez l'habitude et c'est Claude Delafosse qui nous la présente. Donc cette délibération, oui, effectivement, vous en avez l'habitude, même si là, il y a pas mal de changements, mais qui sont finalement quelque chose d'assez coutumier. Donc d'une part, il y a effectivement la volonté hein, que nous avions de résorber en fait l'emploi précaire. Donc il s'agit de créer en fait non pas des emplois nouveaux, hein, mais de transformer les postes de contractuels en postes en titularisation. Donc à ce titre, il est proposé de fidéliser 4 agents, hein, donc en créant des postes d'adjoints d'animation. Donc là, ça concerne le secteur de l'enfance jeunesse. Il y a également la transformation de postes suite à des promotions internes et notamment 3 postes, hein, donc un poste de rédacteur principal que l'on transforme en poste d'attaché territorial, un poste d'agent de maîtrise principal en poste de technicien, et puis un poste d'adjoint administratif principal transformé en poste d'animateur. Ensuite, il y a l'augmentation du temps de travail des animateurs du service éducation enfance-jeunesse. Donc effectivement, il y avait une demande du service hein, donc pour ajouter donc un quart d'heure qui est lié finalement autant à la fois pour préparer des animations, mais aussi pour la transmission lors de la pause méridienne.
Donc effectivement, c'est ce quart d'heure ajouté génère effectivement des temps de travail qui sont légèrement modifiés. Donc vous avez la liste des postes concernés avec les temps de travail qui évoluent en conséquence. Ensuite, il y a la transformation de poste suite à un départ en retraite et une mutualisation d'un poste entre le service enfance et le service scolaire. Ensuite, la création de 4 postes d'animateurs ATSEM pour les 2 ouvertures de classe de la Croix-Marot et Saint-Exupéry donc en septembre. Donc 3 postes d'adjoints d'animation sont proposés à 24-35e. Il y a l'ajustement de grade correspondant aux agents en poste. Le 14 mars 2022, on avait déjà créé le poste de coordinateur des solidarités à temps plein. Donc là, effectivement, le recrutement a été lancé et il s'agit juste d'ajuster finalement le poste au profil de poste de la personne que nous avons recrutée. Voilà. Ensuite, une transformation de poste suite à une augmentation de l'activité et suite à une réussite au concours. Et une transformation de poste pour assurer les reclassements internes en lien avec la fermeture progressive de la piscine municipale. Ça, on en avait parlé. Donc, il y a eu un travail qui a été fait en lien avec le service des sports, les ressources humaines. Et donc, on avait 3 agents à reclasser. Donc, effectivement, on a eu depuis le mois de mars, on travaille sur ce dossier. Et en fait, on est arrivé donc effectivement à des accords de part et d'autre, hein, donc, et sans conflit. Tout s'était réellement bien passé. Donc effectivement, on a 2 personnes qui vont intégrer le service population puisqu'il y avait des besoins, et une personne du service population qui intégrera le service des sports. Et puis, sachant qu'effectivement, la personne donc responsable de la piscine, elle intégrera des missions d'éducateur sportif donc au sein du service des sports de la ville. Voilà. Et puis, dans le cadre de la prospective, donc, on avait établi un certain nombre de postes à créer. Et donc, il y en a un au service RH. L'ouverture de l'EHPAD avait généré effectivement des missions supplémentaires qui étaient liées au remplacement des personnes, hein, mais aussi à la gestion de carrière, etc. Donc, effectivement, on crée un poste donc, à 35-35e. Voilà ce qui vous est proposé, et j'en oublie pas. Et si la création temporaire effectivement du poste suite au départ en retraite du directeur de l'école de musique, donc effectivement on crée le poste parce que le directeur arrivera un petit peu avant, et effectivement lorsque le directeur actuel donc partira, c'est-à-dire au 1er septembre, eh bien en fait on fermera le poste et là on modifiera de nouveau le tableau des effectifs. Voilà, donc tous ces changements qui sont quand même relativement nombreux, en fait, on a le tableau correspondant et l'actualisation qui correspondent à ce que je viens d'énoncer. Merci Claude. Géraldine, une précision peut-être sur les ouvertures de classe ? On a 2 ouvertures en maternelle, une à la Croix-Marot et une à Saint-Exupéry. On en aura peut-être bien une 3e qui n'était pas prévue à l'élémentaire Croix-Marot, et on ouvre aussi, et ça c'était prévu, à Saint-Ex élémentaire. Et dans les années futures, on va ouvrir, au vu de l'augmentation de la population chalandaise tous les ans. Oui, tout à fait. C'est important qu'on ait cette information, qu'on ne perde pas de ça de vue, y compris dans nos prospectives liées aux investissements au niveau de nos écoles. J'ai pu échanger avec la directrice, Madame Combe. J'ai également posé la question par rapport aux établissements privés pour qu'on se partage les charges, pour que nous ne soyons pas les seuls à assumer les investissements. Mais nous ouvrons quand même à la rentrée prochaine 3 nouvelles classes et peut-être une 4e sans fermeture. Donc, les classes, les écoles qui avaient été construites récemment vont être très très rapidement
être à l'étroit. Donc nous aurons quelques questions à nous poser. Avez-vous des questions ou des remarques? Oui, Thomas. Juste en parlant de prospective, également une question en marge de la Délib. Le gouvernement a annoncé une augmentation du point d'indice de 3,5%. Yannick Moreau au Sable a estimé que c'était un surcoût d'1 million. Alors, c'est une plus grande ville. Et sur Chalon, est-ce que vous avez fait le... Oui. Est-ce que vous avez, enfin, pas anticipé, mais regardé ce que ça allait représenter pour la ville? Bah, c'est 350 000 euros. Voilà. D'accord. Oui, sur une année. Oui, non, mais OK. J'aurais imaginé, enfin, c'est déjà, enfin, c'est pas top, mais ça aurait pu être pire. Bon, après, nous sommes à 300 agents à peu près, j'arrondis, pour un peu plus de 1000 sur les Sables. Donc, le rapport, il doit être à peu près identique, puisqu'on échange régulièrement. Bon, on voit bien que la décision, ce n'est pas nous qui l'avons prise. Sans doute que pour nos agents, nous aurions été d'accord pour le faire, parce qu'il ne faut pas que nos agents soient sous-payés ou mal payés, etc. Donc, on veille à les accompagner au mieux. Mais là, ça s'impose à nous. Et pour la fin de l'année, ça s'impose, évidemment à nous. Mais c'est comme ça. D'autres remarques, d'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, je vous propose de voter cette délibe. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Donc, délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, alors là, je ne peux pas vous dire que vous en aviez l'habitude, c'est une nouvelle délibération, c'est pour nous mettre là encore en conformité, et c'est Claude Delafosse qui nous la présente. Voilà, donc là, effectivement, donc c'est, cette délibération donc, a le but d'autoriser le maire ou moi-même donc, à recruter des agents contractuels pour répondre à des accroissements saisonniers ou temporaires d'activité et au remplacement d'agents momentanément indisponibles, et ce, dans des conditions fixées par les articles qui sont cités. Alors, dans ce contexte-là, on a, nous, effectivement, ben, on sait déjà ce qu'on faisait, hein, donc, puisque lorsque l'on regarde donc, la délibération, en 2021, on avait donc une masse salariale de contractuels qui était égale à peu près à 1,6 million. Donc, et les 1,6 million étaient répercutés à la fois pour des accroissements saisonniers d'activité, des accroissements temporaires d'activité, et puis des remplacements d'agents absents. Donc vous l'avez en fait énuméré, c'est-à-dire en fait il y avait 34 agents pour des accroissements d'activité, 122 agents donc pour des accroissements temporaires d'activité, et puis 27 pour des remplacements d'agents absents. Alors le pourquoi de nos embauches de contractuels, c'est tout simplement pour de la flexibilité. C'est pas évidemment des agents permanents, mais ils viennent bien pour ce qui vous est donné, donc effectivement surcroît d'activité. Temporaire, et puis effectivement faire face aussi notamment au congé de maladie, enfin, etc. Mais également pour faire face à des besoins lorsque l'on n'arrive pas à recruter finalement un agent fonctionnaire, et bien effectivement on a aussi la possibilité d'embaucher un contractuel. Alors sur l'année 2021, c'était un peu particulier parce qu'effectivement on avait le centre de vaccination. Et donc, effectivement, le montant qui était donné, 122 agents pour l'accroissement temporaire d'activité, était peut-être un petit peu surestimé. Mais globalement, si on fait une prospective à peu près des besoins sur les années écoulées, on constate que finalement, on a besoin de... Enfin, encore une fois, c'est une prévision, hein, de 88 agents temporaires sur des accroissements temporaires d'activité, 34 en saisonnier, et puis une trentaine hein, donc sur les remplacements d'agents absents. Donc ça, c'est le constat hein, donc, de 2021 et puis à peu près où on se situe, sachant qu'effectivement, chaque année, sur les 10 millions de masse salariale, eh bien, en fait, on a 1,5 million consacré finalement à ce qu'on vient de dire. Et donc le but de la délibération, effectivement, c'est d'autoriser, eh bien, en fait, ou tout du moins de continuer à pouvoir jouer de cette flexibilité. Enfin, jouer, pas le mot exact, mais en fait, de pouvoir donc, entre guillemets, assurer la continuité des services avec des contractuels. Voilà.
Merci Claude. Alors, tu as raison, c'est pas de, ce ne sont pas des nouveaux postes. Hein. Les postes existaient, c'est juste donner de la lisibilité et de la transparence. Ils existaient, c'est les remplacements maladie, etc. Mais il faut qu'on régularise cette partie-là qui aujourd'hui n'était pas présentée dans le cadre d'une délibération. Avez-vous des questions ou des remarques sur cette délibération? Non, eh bien écoutez, je vous propose donc de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Merci. La délibération suivante, à la page 123, c'est une délibération qui concerne l'acquisition à titre onéreux d'une partie de terrain située route de Soulan en vue de l'aménagement d'un giratoire. Et c'est Roselyne qui nous présente cette délibération. Oui, donc on est toujours sur la poursuite de cet aménagement global. On a déjà présenté aux précédents conseils municipaux les acquisitions côté sud-est. Là, on va se. Donc là, on a à l'angle de la rue Pauline de Lézardière et du chemin des Noues, on a une emprise de 288 mètres. C'est un terrain constructible et dont Vendée Logement est propriétaire. Donc il y a eu un accord de principe avec un montant d'acquisition au mètre carré à 97,22 €. Voilà. Évidemment, la commune prendra en charge le déplacement de la clôture existante sur le futur alignement. Et cette assiette de terrain serait ensuite classé dans le domaine communal, les frais de géomètre étant également à la charge de la commune. Voilà. Et voilà. C'est ce qu'on vous propose d'acquérir. Avez-vous des questions ou des remarques? Moi, je me permets juste une remarque, je renie. Je trouve que c'est cher, mais malheureusement, on n'a pas eu trop le choix, là, mais hein, il nous faut travailler cet aménagement pour sécuriser ce carrefour et que les cars puissent comment? Oui, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. On n'a pas trop le choix. Donc voilà. Écoutez, je vous propose donc s'il n'y a pas de remarques et pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. La délibération qui suit, c'est pratiquement la même chose. Et c'est Roselyne qui nous présente cette délibération. C'est juste de l'autre côté de la rue, de voilà. La voie. Voilà. Donc là, on se situe sur le côté nord-ouest, chemin des Loires. Et donc là, c'est la poursuite de l'aménagement et la continuité de l'élargissement de la voie qui nécessite une petite acquisition de 35 mètres carrés qui appartient à Madame Claudette Mouillot. Et donc voilà, on la remercie. Donc là, par contre, c'est une acquisition à titre gratuit. Et bien évidemment, on lui améliore, évidemment, ça, on lui restaure ses différents accès. Voilà. Donc, comme d'habitude, ce classement, ce serait ensuite inscrit dans le domaine public communal. Et les frais sont évidemment à la charge de la commune, ainsi que les frais notariés. Merci Rosine. Des questions? C'est la même chose, mais ça nous coûte beaucoup moins cher. Donc, je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Avant-dernière délibération, à la page 132, c'est une délibération qui concerne la vie sportive et ça concerne le tarif de l'inscription annuelle à l'ESM pour les enfants des structures d'accueil, l'EMS pardon, excusez-moi, des structures d'accueil spécialisées, et c'est Sébastien Lelanic qui nous la présente. Donc la prise en compte du handicap doit être étudiée et envisagée pour l'ensemble des services proposés à la population. Et donc vous savez toutes et tous que l'école municipale des sports a démarré en septembre dernier et nous n'avions pas intégré d'enfants en situation de handicap.
Donc, pour la rentrée prochaine, ce qu'on vous propose, c'est la possibilité d'intégrer 4 enfants avec des structures d'accueil spécialisées de Challans que nous avons déjà rencontrées. Et donc, il vous est proposé une tarification à 40 euros, sachant que ces enfants seront accompagnés par 2 éducatrices. Donc voilà, un tarif à 40 euros l'année, payable en 3 fois, comme les 80 euros, payable en 3 fois, si vous en êtes d'accord. Les personnes qui vont accompagner, c'est des personnes de l'association? Tout à fait, des éducatrices spécialisées qui ont déjà ces enfants, qui les connaissent en charge, et qui viendront en plus de nos accompagnants, de nos éducateurs. C'est pour comprendre que le delta, en fait, c'est pour prendre en charge ce surcoût qu'ils ont. Et on ne prend pas en charge la totalité du surcoût. Hein, on fait un effort, nous, de notre côté. Et puis les structures gérant ces personnes déjà souffrant d'un handicap n'est pas en plus un surcoût en payant le même prix. Hein. Voilà pour l'explication. Avez-vous des questions ou des remarques? Oui, ça un peu moins d'accompagnement de notre part, puisqu'ils auront leurs encadrants, avec quand même nos structures associatives à côté qui font un travail important. Des questions ou des remarques? Non? Bien, écoutez, je vous propose donc de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Dernière délibération, c'est Roselyne qui va vous la présenter. C'est le fameux rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement. Et on va lui demander de nous en faire une synthèse. Voilà, donc juste en rappel, en complément, donc ce rapport et qui vous est présenté aujourd'hui sera mis à disposition du public en mairie dans les 15 jours qui suivent la présentation de ce jour. Voilà. Et un exemplaire est également adressé au préfet. Pour rappel sur l'organisation du service assainissement collectif, la collectivité assure la compétence assainissement sur son territoire. Le mode de gestion est la délégation de services publics par affermage. Donc depuis le 1er janvier 2013, le délégataire est la SOR. Et sur un contrat d'une douzaine d'années qui arrivera à échéance le 31 décembre 2024. Voilà, je vous fais une présentation rapide et ensuite vous pourrez me poser les questions que vous le souhaitez. Donc on a une légère progression du nombre d'abonnés avec un volume facturé légèrement inférieur. Et on se retrouve par rapport à l'année précédente, et on se retrouve globalement avec une consommation moyenne par abonné de 80 mètres cubes. On a une légère extension du linéaire par rapport à l'année précédente, qui est de l'ordre de à peu près 2 km, ce qui n'est pas non plus important. On a réalisé une étude diagnostique. Elle est en cours. Il nous manque les réalisations de nappes hautes, l'analyse des nappes hautes pour arriver à déterminer les secteurs qui devront être réaménagés. Parce qu'on a des eaux parasites très importantes au niveau du réseau. Et donc, cette étude va nous aider en partie pour ça. Ce que je voulais vous dire également, par rapport à la station d'épuration, on a un ouvrage qui collecte les matières de vidange, qui pose quelques difficultés. Donc c'est un point sur la station d'épuration qu'il faudra améliorer. Les matières de vidange ont sensiblement augmenté par rapport à l'année précédente. Donc je pense que l'effet Covid de 2020 a réduit le nombre de fréquentation des camping-cars et autres. Donc là, on est sur une...
plutôt une production à peu près équivalente à qui se rapproche de 2017. Donc voilà, on est plutôt sur ce type de quantité pour les matières de vidange. Concernant le prix de l'eau, donc là, dans le rapport, il est indiqué une facture théorique à 120 mètres cubes. Et on a une augmentation du prix du mètre cube d'eau confondu entre la part du délégataire et la part de la collectivité avec une augmentation de 2,7%, qui est à peu près l'augmentation du coût de la vie. Voilà, bah écoutez, sur cette partie-là, je ne vais peut-être pas vous abreuver de trop d'éléments. Il est quand même à souligner, il y a un indicateur de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte d'eau usée. Et cet indicateur précise qu'en dessous 40 points, il est estimé que la connaissance à la fois des réseaux et donc de la qualité de ce qui peut... du traitement derrière, en dessous 40 points, on est insuffisant. En 2021, cet indice était à 38. Du fait de lancement de l'étude de diagnostic du réseau assainissement, et cette étude, on l'a souhaitée parce qu'il y avait d'énormes désordres sur... Le réseau, y compris sur le secteur de la Verrie. Et donc, cet indice a été revu, évidemment, puisque là, on a des plans qui sont beaucoup plus à la fois précis. Et on arrive sur la connaissance du réseau, on arrive à 90%, et sur les matériaux des canalisations, on arrive à 72%. Ça peut paraître un détail, mais l'agence de l'eau est très regardante sur ce type d'appréciation de la connaissance du réseau et ça lui permet de conditionner l'octroi de ses subventions et la majoration des taux de redevance par rapport à cet indice. Donc c'est un élément important. Voilà, donc ensuite on peut passer sur la partie qui ont été à l'étude en ces derniers temps, là sur l'année 2021. Donc là on a le PR du Guy, mais ça c'est un élément qui a été supprimé. Donc des fois il y a des petites choses dans les rapports où il y a de l'ajustement à faire. Le PR des Bourbes sur la gestion de fonctionnement, il y avait des points qui étaient à améliorer. Ça a été évidemment confirmé par Artelia qui fait l'étude diagnostique. Donc ça, c'est des éléments qu'on va prendre en compte dès que les études de nappe haute seront réalisées. À la station d'épuration, on doit également protéger les bétons à l'entrée de la station puisqu'on a des problèmes au niveau de... l'H2S, ça corrode les bétons et donc il faut intervenir là-dessus. Et puis évidemment sur le réseau sous vide, donc là on est encore à l'étude, on attend les derniers résultats d'Artelia pour pouvoir faire de la programmation. Sur l'année 2021, ce qui avait été programmé, le chemin du pas est en cours, mais pour cette année 2022, la rue Capitaine de Bouté, elle est réalisée, la rue de l'école, là. On a ensuite le boulevard Vieux Grand Marais. Là, on a un décalage suite à une étude globale dont je vous ai parlé, Artelia, là. Mais par contre, le boulevard Pasteur, la rue des Quatre Vents, la rue Saint-Dominique, tout ça s'est réalisé. Le boulevard Jean-Yol également a été réalisé. Voilà. Donc, voilà. On peut estimer à ce que les travaux en 2021, on était à un peu plus de 1 180 000 euros avec des études qui sont pour le diagnostic assainissement et pour la verrie à 108 000 euros. Maintenant, concernant de manière plus globale la synthèse du service qui est apporté,
Donc on est sur un peu plus de 12 000 abonnés. Et on considère que les eaux collectées sont un peu plus réduites que l'année précédente. Donc voilà. Par contre, au niveau des eaux parasites, on a une baisse très substantielle puisqu'on était à plus de 1 million de mètres cubes. On a descendu à 640 000 mètres cubes. Ceci étant, à part quelques épisodes très pluvieux, on a plutôt été sur de la sécheresse, ce qui explique bien qu'on a beaucoup d'efforts à faire sur les eaux parasites. Voilà. Et puis, on a 2000 mètres cubes qui sont passés en bypass, justement, quand il y a eu ces gros épisodes pluvieux. Après, au niveau de la pollution, on est sur des effluents qui sont très dilués. Donc là, c'est un petit peu marginal, malgré tout, sur l'impact sur le milieu. Dernier point, sur la partie analyse qui est due par le délégataire sur les... sur la lutte contre les eaux parasites. Et donc, il y avait une échéance annuelle 2018, 2019, 2020, 2021. En 2021, on devait être à 414 000 et on est à 640 000. Voilà, le délégataire a des efforts à faire là-dessus pour respecter ses engagements. Voilà ce que je peux vous dire globalement de ce rapport qui nous a été produit très récemment. Merci Rosine pour la synthèse qui n'est pas évidente à faire. Il y a tellement d'informations. Ceci étant, vous avez dû en prendre connaissance du rapport. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Bon, toujours la même remarque sur les eaux parasites. Hein. Il faut qu'on s'améliore. C'est clair, on y travaille. On a eu de la chance. Le manque de pluie, je ne sais pas si c'est une chance, mais... à diminuer fortement les eaux parasites. Avez-vous des questions, des remarques? Non? Bien écoutez, il faut. C'est pour avis le. C'est pour information, donc on n'a pas à le voter. Bon, mais écoutez, merci. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce conseil municipal. Merci aux personnes qui ont pu le suivre à distance. Merci, chers collègues, d'être. Parmi nous, parce que vu la température, il fallait faire l'effort de ce déplacement, de se déplacer. Merci à nos collègues. Et puis, Étienne, retenez qu'on a été honorés et très fiers de travailler à vos côtés. On a appris et on espère un jour vous revoir, mais aller montrer au conseil départemental du Maine-et-Loire que les gens qui travaillent à Chalon sont compétents. Donc, longue vie à vous là-bas. Et puis, beaucoup de réussite, en tout cas. Et puis, merci à la presse, merci au public, même s'il n'est pas nombreux. Et puis, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. Merci à la technique, dans le fond. À bientôt, au revoir.